Alors c'est comment habiter ici? J'ai connu pire, on va dire, c'est plutôt agréable. Hein. C'est vrai qu'apparemment faut être un petit peu. Faut pas être une petite nature, on va dire, quoi. Le concept de ce lieu, c'est que à la base, c'est un espace abandonné qui a été traité pendant longtemps comme une espèce de décharge sauvage, qui a été même incendié. Et donc le concept, c'est de transformer ce tas de détritus en lieu d'une part convivial et de pratique collective, et d'autre part aussi, comme c'est une zone naturelle, l'idée c'est de revaloriser quand même aussi cet aspect-là, l'aspect naturel de cet espace. Bah, c'est dédié aux adhérents, on est une association, et donc l'adhésion c'est prix libre. Donc en fait c'est ouvert à tout le monde, c'est très accessible. À la base en fait c'est juste une idée qu'on a eue justement en venant au parc des Beaumont, au coucher de soleil avec quelqu'un de l'équipe. Et on s'est dit que
C'est une idée qu'on a eue comme ça, on s'est dit que c'était une belle manière de rebondir, c'était joli, une cabane dans les arbres, quoi. Donc à la base, l'association, elle était logée plus bas dans Montreuil. C'était une ancienne usine qui servait de débarras. C'était un grand débarras de 700 mètres carrés, quoi. On est parti de là parce qu'on est arrivé au bout de l'arrangement qu'on avait avec le gérant. Et voilà. Et le fait est qu'on ne pouvait plus rester dans l'espace qu'on occupait. Et que du coup, la seule solution qui s'est présentée à nous au final, c'était. Enfin, la seule qu'on a trouvée en fait, c'était de venir faire une cabane dans les arbres. Et donc en fait, l'idée, elle est surtout. Elle vient surtout du fait qu'on ne voulait pas abandonner la dynamique qui avait été mise en place. Et d'autre part aussi, le bois, parce que c'était quand même beaucoup d'efforts et c'était dommage de le voir partir à la poubelle aussi. Et alors que ça pouvait devenir autre chose de plus intéressant, quoi. On a démarré en mi-juin, on a fini en septembre, octobre. Sur le chantier, en fait, il y a plus de 50 personnes qui ont participé. Et après, en simultané et d'actif, on était une moyenne de, on va dire, peut-être 4 par jour. Ouais, un petit, ouais, 3-4 par jour. Et il y a des pics où on était 10, quoi. Ah ben, il y avait des déchets sur quasiment chaque mètre carré là, de tout cet espace-là. Et il y avait un reste d'incendie, pareil, qui montait je sais pas, à presque un mètre aussi. Il y avait un tas, quoi, comme ça. Et on a tout nettoyé. Ben, en même temps qu'on faisait la cabane, il y avait une équipe au sol, une équipe en l'air. Et il y avait ménage et construction, quoi. Donc, du coup, la conception de la cabane, on l'a fait à partir d'un bouquin qu'on a vu sur les cabanes dans les arbres. Et donc c'était la méthode qui nous semblait la moins agressive par rapport à ce qu'on voulait faire, c'était de se retrouver entre deux arbres et de justement déjà pas reposer sur un seul arbre, que ce soit pas trop de poids. Et d'autre part aussi, on a aussi fait le parti pris de mettre des pilotis en dessous pour vraiment reprendre toute la charge une fois que les poutres principales elles étaient posées, pour vraiment délester les arbres au maximum, quoi. Ça a l'air plutôt bien parti, hein. Faut voir comment ça se passe au niveau de la cheminée. Ah oui, merde, on voit pas. Voilà, c'est pour ça. Non, attends, mets-toi là, moi je vais.
là. Voilà, l'idée c'est que justement si on a choisi l'option de faire cette chose-là, c'est dans le même esprit de notre arrivée en fait. C'est-à-dire qu'on est venu, on a ramené le bois avec nous, on a créé de l'espace, on a créé un volume. Et l'idée c'est que à la fin du temps de notre occupation, ou voilà, peu importe comment se passent les choses, en tout cas, on est capable de reprendre ce volume et de le déplacer. Donc l'idée, c'est d'arriver à imaginer des espèces de modules qui permettent de d'une part, créer une activité ici, mais aussi de très facilement pouvoir déplacer l'activité au même titre qu'on déplace les modules. Et en plus de ça, bon, c'est, une fois plus, c'est une zone naturelle. Et donc en fait, l'idée, c'est d'arriver à respecter un maximum cette chose-là. Mais l'idée, c'est vraiment d'occuper le moins d'espace au sol. C'est aussi ça le principe de la cabane dans les arbres. C'est que du coup, ça ne prend pas beaucoup d'espace au sol, puisque justement, l'idée, c'est pas d'envahir la terre, parce que la terre, elle a besoin de reprendre, de respirer, quoi. Parce qu'on n'a pas enlevé les déchets pour ensuite venir, foutre un plancher, et puis... Ouais, ça, c'est l'espace potager, quoi. C'est bien, et les bouts de bois, tout ça, au milieu aussi. Parce que les spirales tournent concentriques. Ok. C'est pour donner la forme, en fait. Un peu. Voilà. C'est bon, ton niveau à faire la mesure, tu rentres dans les spirales, tu montes des niveaux. Ah, ok. Ah, donc il y a le niveau de la terre qui va monter au fur et à mesure. Voilà, c'est ça. Ah, génial. Mais comme on n'a pas beaucoup de terre, faut combler avec des matières, quoi. D'accord. Bah ouais. Du coup, moi je vais causer, je vais enlever un peu de terre, je vais mettre du bois. Ouais, on va faire du bois en décomposition. Du vieux bois. Je vais traîner les bois, vous ferez attention parce qu'il y a des clous. Ah oui, c'est vrai. Il faut les magnifier. Là, on va commencer à mettre la terre. Les bois. Là où on était avant, donc on proposait tous les vendredis soirs, il y avait jam session, donc avec des plats à prix libre. Et donc le samedi, il y avait systématiquement une asso qui s'appelle Entraide Citoyenne qui fait des maraudes, qui venait cuisiner. Et bon, assez souvent, il y avait aussi, en même temps, il y avait des concerts ou des projections, des événements qui se passaient aussi en même temps. L'idée aussi, c'est beaucoup d'être un support aux artistes ou aux associations qui ont besoin d'espace aussi pour faire des choses. Et donc, il y a aussi pas mal d'événements qu'on a juste accueillis. Bon, on s'occupait de la nourriture quand même, mais bon, on a accueilli pas mal de structures comme ça, ou pareil, des tournages, ou des choses comme ça. Et les activités envisagées, si tu veux, de base, la dynamique quand même, elle tourne autour du fait de proposer à manger principalement. Et très vite, il y a une proposition culturelle qui vient avec, des concerts, des projections, enfin voilà. Et donc, comme je t'ai expliqué ici, l'idée, c'est de mettre en évidence un peu la valeur de l'effort collectif.
Et pourquoi le vaisseau? C'est le concept de navette. Ouais. De navette qui se balade dans oui. l'espace, quoi. Ah oui, oui, c'est vrai. D'accord. Oui, qui s'adapte un peu à plusieurs lieux. C'est ça. Qui est nomade, un peu. Exactement. Ouais. Voilà. Le propriétaire, je l'ai rencontré quelques fois. Lui, il était plutôt agréablement surpris qu'on soit là, et puis il était voilà, plutôt satisfait de ce qui se passait. Après, il m'a expliqué ses histoires de problèmes de gestion de biens et d'héritage et machin. Bon, chacun ses problèmes, quoi. Donc, en tout cas, bon, pour lui, c'était problématique la gestion de ce bien-là. Et après, bon, là, ça fait plus d'un an que je l'ai pas revu. Mais bon, j'ai reçu la visite d'organismes qui sont censés s'occuper du rachat de la parcelle et devenir propriétaire le temps de la revente du terrain sous forme d'appel à projet. L'idée, c'est que si l'organisme en question il transforme donc la vente du terrain en forme d'appel à projet et qui ne se montre pas, comment dire, gêné par notre manière d'occuper le terrain de là, enfin jusqu'à ce que le terrain soit vendu. A priori, l'idée, c'est de répondre à l'appel à projet, d'éventuellement trouver un modèle économique et pas que, pour répondre à cet appel à projet, quoi. Bah, de toute façon, je ne suis pas inquiet. Enfin, non, inquiet, ce n'est pas ce que je suis, non. Moi, ce que je cherche à faire, c'est mettre en évidence la valeur de l'effort collectif d'une manière spontanée, simple, locale, et de voir jusqu'où ça peut aller. Donc, à partir de là, c'est-à-dire qu'on a quitté l'endroit, on est venu ici, on a peut-être 2 semaines avant, on se serait jamais dit qu'on allait faire une cabane dans les arbres.